Les responsables du groupe Eramet ont entretenu récemment les ambassadeurs et les représentants des multinationales sur les atouts du projet Mabumine. Les caractéristiques du gisement Mabounier ont été présentées à l'assistance en présence du ministre des Mines et de l'Énergie, Martial Ruffet Moussavou. Enrique Bokoko. Le projet Nobium et Terrar Mabumine a pour but essentiel de développer le gisement polymétallique de classe mondiale de Mabounier. Face aux ambassadeurs et représentants des entreprises internationales, le groupe Eramet a, au cours de cet échange, mis en relief le potentiel économique de ce gisement. Le gouvernement, quant à lui, réaffirme sa volonté, celle de faire avancer cet immense projet. Le projet industriel Mabumine répond à un objectif stratégique qui s'inscrit dans le PSGE, à savoir développer le potentiel minier et ériger une filière métallurgique propre. Le projet industriel Mabumine est considéré aujourd'hui comme véritable scandale géologique. Le groupe Eramet Comilog détient 48% des actions et l'État gabonais 37%. S'en est suivi cet exposé qui illustre fort opportunément les atouts du dit projet. L'exploitation de ce minerai radioactif nécessite au préalable un investissement conséquent, d'où Eramet et l'État gabonais optent pour un consortium de partenaires. Le directeur du projet s'est appesanti sur la démarche qui guide l'opérationnalisation de ce chantier d'envergure. Nous sommes arrivés à une certaine étape cruciale en termes de développement, avec la détermination du taux de rentabilité interne et des risques d'un projet industriel. Mais la conjoncture que vous connaissez bien aujourd'hui n'est pas favorable pour Eramet, en particulier, à investir dans ce projet en continuité de ce qui a déjà été fait. Mabumine aurait été l'un des rares projets à maintenir une marge opérationnelle raisonnable. Dans cette optique, la recherche des partenaires ayant les compétences techniques et les ressources financières nécessaires reste de mise. Le but étant de transformer ce gisement exceptionnel en une entreprise commerciale à succès.